Bonjour. Vous êtes directeur de Congo Liberty, mais vous êtes aussi secrétaire général de l'Association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville. Pouvez-vous nous parler de l'association? Alors, l'Association citoyenne du Congo-Brazzaville est une association qui a été créée à Paris. Pourquoi on l'a créée? C'est parce qu'on s'est rendu compte, avec l'attaque où la voiture Bélier, c'était le 21 juin 2016, je crois, de nos activistes, nos jeunes activistes congolais à l'ambassade du Congo, qui se sont ensuite retrouvés en maison d'arrêt, donc emprisonnés pour ce fait-là, en attendant leur procès, qu'on n'avait pas de moyens de les aider. C'est-à-dire qu'il y a eu ici et là des initiatives qui ont été prises, mais on a bien vu qu'on n'était pas du tout prêts. Ces compatriotes avaient posé un acte plutôt patriotique, même si il était discutable. Et à l'issue de ça, on s'est dit qu'il fallait créer une association pour subvenir aux besoins des activistes en difficulté avec les tribunaux, avec quelques institutions que ce soit. Donc on a créé cette association. C'est une association aujourd'hui qui compte une centaine de membres, dont je suis secrétaire général, mais vous avez un conseil d'administration qui est présidé par Andrea Gombe. Il y a un premier vice-président, monsieur Benjamin Moutila, il y a un deuxième vice-président, monsieur Mwanda Moustouki, et puis il y a un trésorier. Mais au-delà de ça, c'est une association qui a une interterritorialité, c'est-à-dire que vous avez différentes fédérations. Il y a la Fédération France, par exemple, qui a été mise en place par Anissé Mapa, non, dont Anissé Mapa est coordonnateur. Ensuite, il est question qu'on installe des fédérations à travers l'Europe, tout ça pour fédérer la solidarité, en tout cas les moyens de lutte qui vont faire que ces solidarités-là nous permettent d'aller un peu plus loin dans notre combat. Donc aujourd'hui, notre association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville, et c'est pour ça que j'interviens, à lancer un appel aux dons pour aider les Oui, populations du Congo. comment prend forme cette solidarité? Quels sont vos différents champs d'action? Est-ce qu'on vient, on vous donne des patates que vous envoyez? Comment ça se prend? Comment la forme de la Alors, solidarité? la forme de solidarité, est-ce que vous entendez par là les objectifs de Les l'association? objectifs, et est-ce comment on vient, on toque, on vient, on vous dépose les cahiers ou Alors, là voilà. sur le poule, mais je vais commencer par rappeler les objectifs de l'association, même si on les a un peu éludés. Les objectifs de l'association, donc, c'est apporter une aide financière et juridique aux activistes congolais en maille avec les systèmes judiciaires du pays de leur résidence. On a aussi comme objectif demain tester en justice, c'est-à-dire attaquer en justice des personnes qui ont commis des crimes humains, des crimes économiques et même des crimes écologiques au Congo-Brazzaville. Et pour cela, il nous faut des moyens. Donc pour les moyens, il y a des cotisations statutaires qui sont faites par les membres. Et je rappelle que pour adhérer à cette association, il faut une adhésion d'un montant de 5 euros et des cotisations statutaires de 10 euros par mois. Il y a un compte bancaire qui est mis à la disposition de tous ceux qui peuvent faire des donations, en tout cas des contributions financières. C'est un compte bancaire partenaire d'une association, enfin, c'est le compte bancaire d'une association partenaire de l'Association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville, qui est le cercle de réflexion pour des idées nouvelles. Et aujourd'hui, donc, comme je disais, on a lancé une campagne d'aide, en tout cas de solidarité pour les populations victimes du poule, qui va se En quoi faire en consiste trois volets. voilà. Alors, ça va se faire en trois phases. La première phase, c'est celle de la distribution de kits scolaires que nous faisons en partenariat avec l'association Caritas, qui l'a déjà fait, en tout cas qui le fait chaque année. L'association Caritas l'a fait avec l'UNICEF en novembre 2016 pour les enfants des déplacés du poule. Il y a une campagne qui va se faire là en octobre 2017 pour la rentrée 2017-2018. Donc il y a urgence. On a lancé cet appel-là. Donc dans la première phase, c'est la distribution de kits scolaires. Mais que les Congolais qui se posent des questions sur comment faire parvenir ces biens-là, nous allons tout simplement envoyer directement
l'argent à Brazzaville. Donc les kits scolaires seront achetés à Brazzaville. Ça va nous éviter les complications douanières et autres. Donc l'Association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville n'est qu'un intermédiaire, mais c'est l'association Caritas qui va identifier les enfants et qui ensuite va distribuer ces kits scolaires. Ensuite, il y a une deuxième phase. Dans la deuxième phase, il y aura une aide d'urgence aux populations du Pool. Et comme nous avons des partenaires sur place, nous travaillons avec plusieurs associations humanitaires, nous attendons qu'ils nous fassent des propositions parce qu'ils sont sur place, ils ont dans leur cadre programmatique déjà des réflexions ou des programmes bien aboutis. Donc nous ne ferons que apporter notre modeste contribution à ces programmes déjà identifiés. En troisième phase, parce que on va faire don de kits scolaires à nos jeunes enfants des déplacés du Pool, mais il faut savoir que la scolarité, c'est une continuité. Donc, il y a un programme de parrainage qui va être mis en place et au sein de l'association, ce parrainage-là, en tout cas, sera piloté par Alexis Nyayuku, qui est le président de la commission judiciaire. Donc, nous appelons très clairement tous les Congolais à participer à cette opération en prenant en charge ne fût-ce qu'un kit scolaire. Un kit scolaire qui est d'un montant de 10 000 francs CFA ou 15 euros. Il est constitué d'une ardoise, de deux ou trois cahiers, de stylos à billes, donc bic rouge, bic bleu, moi ça me rappelle un peu ma scolarité au Congo, plus des craies. Donc que les Congolais de la diaspora se mobilisent parce que aujourd'hui la diaspora se plaint beaucoup de ce qui se passe au Congo, que les gens ne se mobilisent pas, mais nous avons, nous, la chance d'avoir une certaine surface financière, en tout cas. Modestement, je pense qu'on peut contribuer à hauteur de 15 euros pour un kit scolaire. Et ce qu'on attend, c'est que ceux qui contribuent demandent des comptes à l'association. Donc, que les gens ne disent pas « oui, mais qui va gérer ?» Non, que les gens, oui, peuvent se poser cette question, mais il faut que les gens disent « je donne », mais que demain, il faut qu'on nous fasse des comptes et on vous fera des comptes. Donc, ces sous-là ne vont pas nous permettre de payer nos loyers, on n'en a pas besoin. Il faut que les Congolais se mobilisent, il faut que les Congolais reprennent leur destin en main, comme le rappelle toujours M. Andrea Gombe du collectif Ça suffit, et puis d'autres. Hein. Arrêtons d'être amorphes, il y a des Moziki, on voit tous les week-ends des gens dans les Nganda ici à Paris. On comprend que les gens sont un peu désabusés, qu'il y a eu des abus, mais 15 euros pour un kit scolaire pour tous ceux qui sont en train d'errer dans le Pool et qui n'ont rien demandé. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 200 000 Congolais qui errent ou dans les forêts du Pool ou à travers la région de la Bouenza et la région de Brazzaville. Et quand on parle de 200 000, il faut savoir que ce chiffre est un chiffre approximatif. Le chiffre exact, on ne le connaît pas du tout. Pourquoi ? Parce que le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso a tout simplement décidé de ne pas recenser toutes ces populations qui sont déplacées. Donc, s'il vous plaît, chers Congolais, participez à cette campagne et nous vous ferons le point le moment venu. Monsieur Mingwa, l'actualité étant très chargée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les récentes affaires qui ont éclaté ? Est-ce que cet argent est en fait un argent bien placé pour les générations futures ? Ou est-ce que vous pensez que c'est de l'argent dilapidé ? Écoutez, nous sur Congo Liberty, on avait dès le début pensé que ce qui faisait le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, c'était d'abord la violence, donc l'institution militaire, mais aussi toute cette corruption généralisée. Donc depuis, on a mis sur la place publique des affaires, on travaille avec des organisations qui nous alerte sur certains faits. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui nous escaladent aussi certaines affaires. En tout cas, pour nous, toutes ces affaires-là montrent bien que le Congo de demain sera un Congo où des sacrifices seront à faire. Donc, pour ma part, je considère que toute cette masse d'argent qui a été dilapidée, malheureusement, on risque d'avoir beaucoup de mal à récupérer ces sous, même si nous travaillons aujourd'hui avec plusieurs spécialistes pour voir les mécanismes qui vont nous permettre demain
d'identifier tous ces soleils. Je salue en passant Rigobert Osebi, le spécialiste financier économique de Congo Liberté, avec lequel nous faisons un travail excellent. Et puis aussi le collectif Sassoufi, qui est en tout cas à l'avant-garde de ce combat. Donc, en passant, je rappelle aussi que tous les Congolais peuvent nous alerter sur des malversations financières, et Congo Liberté a été alerté sur plusieurs affaires, dont Équerre. Ce sont des anonymes, on n'a pas besoin de savoir qui nous envoie ces documents. C'est vrai qu'on regarde, on est très regardant, parce qu'il ne faut pas qu'on soit instrumentalisé, mais remontez-nous des affaires par voie d'email anonyme, il n'y a pas de souci, on regarde et on les diffuse. Donc, pour le Congo de demain, et c'est là où je veux en venir sur la diaspora congolaise, il faut que la diaspora congolaise commence par montrer qu'elle peut se mobiliser pour des questions de solidarité avec ceux qui souffrent au Congo, et parce que aussi plusieurs d'entre nous sont formés. Demain, il va falloir faire des sacrifices. Et ces sacrifices-là ne peuvent pas être demandés par des personnes qui ont volé le pays, parce que tout simplement, lorsqu'on demande à quelqu'un de se remettre au travail, il faut qu'on fasse, qu'on ait une personne qui a une certaine éthique. Mais Donc, monsieur Mégoua, est-ce que vous n'êtes pas finalement simplement un jaloux de la diaspora? Parce que finalement les Congolais vont bien, puisque malgré toutes les affaires que vous dénoncez, ils ne se mobilisent pas, ils sont tranquillement chez eux, la bière coule à flot. On a vu le 15 août que ça dansait, ça chantait. ça Est-ce que dansait, le pays ne va pas bien et que vous exagérez ça finalement? dansait, ça chantait, mais je me rappelle aussi que lorsque, avant l'assassinat de M. Kadhafi, qu'aujourd'hui on déplore, lorsqu'on voit le chaos qui sévit en Libye, on a vu M. Kadhafi parader en pleine ville. Donc on avait l'impression que tout allait bien. M. Denis Sassou Nguesso sait aujourd'hui, malgré les pas de danse qu'il a effectués avec sa femme lors du 15 août, que le pays est à terre. Déjà dans son discours, il rappelait que le pays n'avait plus de ressources financières, et qu'il interpellait les travailleurs pour qu'ils ne débraient pas en faisant des grèves, parce que ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Effectivement, s'il a accepté la démocratie au Congo, c'est parce qu'à l'époque, la CSC, dirigée par M. Bokamba Yangoma, avait décrété une grève illimitée. Et c'est de là que M. Denis Sassou Nguesso avait accepté la conférence nationale, même s'il y avait un contexte international. Lorsque vous parlez des Congolais qui ne se mobilisent pas, qui sont dans l'Inganda, ce qu'il faut savoir, c'est que les Congolais sont solidaires. Ce qui nous rassure, c'est que lorsqu'il y a des décès, lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a une naissance, les Congolais sont toujours là. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment se fait-il que pour la libération du Congo sur le plan politique, les Congolais ne se mobilisent pas? Mais tout simplement parce que les Congolais ont été désabusés, en particulier par les hommes politiques congolais. On n'a que les hommes politiques qu'on mérite, normalement. Oui, c'est-à-dire que le défaut de notre société, c'est qu'il n'y a pas une société civile forte qui ou a émergé, ou qui pouvait être comme un contre-pouvoir de la société politique. Donc les Congolais étaient tous derrière des hommes politiques. Mais lorsqu'on voit l'actualité aujourd'hui, lorsqu'on voit que M. Parfait Kolela, qui déclare que son papa, donc le vieux Bernard Kolela, le Nkoumbinzila, les avait confiés à M. Denis Sassou Nguesso, lorsqu'on voit qu'il remercie M. Mais Denis à cette Sassou question, il Nguesso, répond que c'est sa culture et que c'est comme ça que ça oui, se mais passe. Et que pour être un bon démocrate, il faut s'appuyer sur sa culture plutôt que de je suis d'accord prendre avec le modèle sur vous, je l'Occident. suis d'accord avec vous, sauf qu'aujourd'hui, il y a un historique, c'est-à-dire que c'est un fait, effectivement, M. Bernard Colella, le vieux Colella, a sûrement confié ses enfants à Sassou Nguesso, ça c'est leur problème. Mais M. Parfait Colella a quand même appelé à la mobilisation contre l'actuelle constitution de M. Denis Sassou Nguesso. Il y a eu des morts, on aurait pu en rire, mais il y a eu des morts. Il y a eu des centaines de morts au Congo-Brazzaville. Et donc, M. Colella, aujourd'hui, qui dit ça, il aurait mieux valu qu'il le dise avant pour que les gens ne se mobilisent pas derrière lui. Vous avez M. Colella, vous avez M. Tassima Diallo, qui aujourd'hui
bon an, mal an, est avec M. Denis Sassou Nguesso. C'est un opposant tout simplement fabriqué. Et donc les Congolais... Non, à cette question, il répond toujours que la contestation se passe au sein des institutions. Cela, il joue le jeu de la démocratie. Est-ce que vous n'êtes pas finalement, je redis la phrase, simplement un jaloux de l'opposition? Un jaloux de l'opposition. Cher journaliste, je n'ai pas l'habitude de parler de moi. J'ai une vie bien aboutie en France et pour ceux qui me connaissent savent que je suis chef de projet, je vais le dire, chez le deuxième opérateur français, la société SFR. Donc je gagne modestement ma vie et je peux même vous dire que j'ai fait des études sans avoir de bourse de l'État congolais. Donc on fait partie de la France qui se lève tôt. Toutes ces informations-là sont vérifiables. Vous appelez SFR, vous allez vérifier. Donc, on n'est pas du tout jaloux et je peux même vous faire une confidence, c'est que le combat que nous menons, ce n'est pas pour qu'on aille demain gouverner le Congo. Moi, je me mets dans la même posture que mes amis juifs, que mes amis arméniens, qui restent attachés à leur pays, mais qui... Demain, n'iront pas faire leur vie ou en Arménie ou en Israël, en sachant que Israël est un pays démocratique, hein, même si à côté il y a le problème de la Palestine. Donc, pour revenir aux Congolais, les Congolais ne se mobilisent pas parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Il faut aujourd'hui essayer de remobiliser les Congolais. Comment vous le faites alors? C'est-à-dire que les propositions, c'est d'aller avec un projet vers les Congolais, leur expliquer ce que nous voulons faire, mais surtout aussi, il faut rendre compte aux Congolais. On ne peut pas demander aux gens de participer à une opération de solidarité bien qu'humanitaire et ensuite ne pas rendre compte. Il faut que les Congolais sachent que dans l'association de solidarité du Congo-Brazzaville, il y a des gens qui travaillent, on a mis en place une trésorerie, il y a un auditeur financier qui tous les ans va auditer les comptes de cette association-là. Donc, Congolais, mobilisez-vous et pour revenir à votre question, les Congolais sont des gens intelligents, on l'a vu dernièrement, au Congo-Brazzaville, ils se sont mobilisés contre M. Denis Sassou Nguesso. Pour terminer notre entretien, je pose une question sur le FMI. Le FMI tape à la porte du Congo, les négociations ont commencé. Quelle est votre position au sujet de ces négociations? Est-ce que vous souhaitez l'aboutissement ou quelle est votre position sur cette question? Alors, en ce qui concerne ces négociations-là, moi j'ai envie d'être humble. Vous savez, il y a une interprétation multidimensionnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre du FMI qu'il n'aide pas M. Denis Sassou Nguesso. En tout cas, moi, je pense que ces négociations-là, tôt ou tard, finiront par aboutir. Parce que le FMI n'a pas intérêt à ce qu'un pays sombre. Et puis, il faut savoir que le FMI a des actionnaires. L'actionnaire principal, c'est les États-Unis. Ensuite, on a tous ces pays occidentaux-là. Donc, il y a aussi une collusion entre des intérêts français et M. Denis Sassou Nguesso. Donc la France fera forcément du forcing pour qu'on accorde un crédit à M. Denis Sassou Nguesso. Tout simplement parce que les gens imaginent que si il y a une insurrection ou l'effondrement du pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, que la sous-région risque de brûler. En tout cas, c'est ce que M. Denis Sassou Nguesso oppose. Donc, il ne faut pas non plus que les Congolais, comme on a attendu que M. Hollande fasse la révolution au Congo, tout attendre du FMI, que le FMI octroie un crédit à M. Denis Sassou Nguesso ou pas. Il faut que les Congolais continuent la lutte. Ce n'est pas le FMI qui va faire la révolution à notre place. Comme le rappelle souvent ou M. Tungamani ou M. André Agoumé, c'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Et pour ma part, j'ai toujours appelé, parce que je considère que la société politique congolaise est corrompue et irresponsable, il faut au Congo qu'il y ait un coup d'État militaire. Il faut que les militaires renversent M. Denis Sassou Nguesso, ensuite mettent hors jeu, et ça je le dis aujourd'hui, les politiciens comme les Sassima Biala, les Parfait Kolela, tous ces hommes politiques-là doivent être mis hors d'état de nuire. Il faut refaire le Congo sans ces gens-là parce qu'ils ont été tout simplement complices des meurtres de M. Denis Sassou Nguesso, des crimes économiques. Toutes ces personnalités politiques-là doivent être mises hors d'état de nuire parce que refaire la démocratie avec ces gens-là, ça va être des chevaux de Troie de M. Denis Sassou Nguesso. Donc,
Toutes ces personnes, et là, quand je parle de Tsassima Biala, de Parfait Kolela, ce sont ceux qui ont participé aux élections législatives de 2017. Ils ont contribué à légitimer le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, en sachant qu'il y a aujourd'hui le pays qui est en ruine. Ces gens-là doivent être mis hors d'état de nuire. Refaire un Congo sans eux, un coup d'état militaire avec une transition de 5 ans, mais j'aurai l'occasion demain, en tout cas quand je dis demain, dans d'autres interventions, d'expliquer le processus de transition que nous proposons au sein du cercle de réflexion pour des idées nouvelles. Oui, je voudrais aussi ajouter une personnalité qu'on oublie souvent de citer, c'est Jean-Marc Tister-Tikayad, qui est évidemment un des grands mauvais esprits du système Sassou, mais qui est très discret, que personne ne cite, et qui noyote la ville de Pointe-Noire et l'empêche d'atteindre ces objectifs que vous citez. Alors, juste pour compléter, la liste, effectivement, n'était pas exhaustive, mais j'ai bien dit tous ceux qui ont participé à l'élection de 2017, en tout cas des élections législatives. On peut parler de l'enfant Tister, on peut parler du fils Lissouba. En tout cas, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui sont dans cette assemblée-là, doivent être disqualifiés pour demain. Monsieur Migwa Biango, nous arrivons à la fin de notre entretien. Quel est votre mot pour la fin? Et nous espérons une note plutôt d'espérance. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs, aux téléspectateurs et à tous ceux qui suivent Congo Liberté? Alors, la note d'espérance, moi je crois qu'un pays se relève toujours, mais aujourd'hui, nous restons mobilisés sur la situation dans la région du Pôle. Il est anormal aujourd'hui que nous soyons indifférents au drame, en tout cas, qui se passe dans la région du Pôle. On est en train de voir en Birmanie les Rohingyas, on parle de 200 000 Rohingyas de confession musulmane qui sont chassés, et on en parle au Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme vous le savez, Aung San Suu Kyi, premier ministre, je crois, de la Birmanie, ne s'est pas déplacé. Aujourd'hui, dans le Pôle, il y a plus de 200 000 citoyens congolais qui sont en train d'errer. Ça veut dire que nous, Congolais, ou nous, les Noirs, vous allez m'excuser de dire ça, on est comme du bétail. Mais on voit bien, même en France, que les animaux ont des droits. On n'abat pas un animal sauvagement, il faut l'étourdir dans les abattoirs. Mais bref, les Congolais sont en train d'être massacrés au vu et au su de tout le monde. On ne peut pas dire que les gens ne savent pas. Donc, vous allez m'excuser, mais une note d'espoir, oui, pour le Congo de demain, mais il faut que M. Denis Sassou Nguesso parle. Mais pour le moment, nous restons mobilisés sur la situation, sur la crise humanitaire dans la région du Pôle, et nous appelons tous les Congolais à participer à la campagne d'appel aux dons que nous avons lancée. Merci, M. Mbogue. Merci.